je dis à tout le monde d'accord. Première préoccupation population, hein. Premier besoin population, hein, c'est sécurité. Mais première bagaille pour nous dire dans sécurité, il faut que tout le monde songe ça. Il faut que personne ne l'oublie. Insécurité n'a vive aujourd'hui. Gang qui prend contrôle quartier populaire, kidnapper, cap kidnapper moun matin midi soir, bagay sa yo, c'est héritage PHTK. PHTK fait 10 ans sous pouvoir et dans 10 ans yo fait sous pouvoir, yo crase pays ya, yo mette gang dans tout pays ya, et c'est eux même qui mette kidnapper moun dans tout pays ya. Situation ça, c'est bilan PHTK et faut que personne moun pas oublier ça. C'est vrai qu'il y a deux fois pendant dernier mois où m'attend des monde qui a parlé qui a critiqué SDP son opération moi relé comme vendredi saint fait saut passé opération crucifier Jésus-Christ libérer Barabbas parce que tout le monde connaît c'est PHTK qui crase pays là c'est PHTK qui vole tout comme pays là c'est PHTK qui mette gang dans pays là c'est PHTK qui augmente corruption mais là y a parlé dans pays là monde qui a un intérêt particulier, ou tu as l'impression que c'est SDP qui était sous pouvoir pendant 10 ans. Opération ça, son opération crucifier Jésus-Christ, libérer Barabbas. Bagay ça, l'heure pour le suspendre, parce que tout le monde connaît, c'est PHTK qui crase le pays. Pas de personne qui va comme ça. Et il paraît inadmissible, il est immoral, il est irresponsable. Les gens qui levé matin, midi, soir, c'est SDP qui va attaquer. Alors ce qu'on connaît bien, c'est PHTK qui crase le pays. Opération crucifier Jésus-Christ, libérer Barabbas là, pour m'en arriver pour le finir et demander pour bagaille ça suspendre. Sur question sécurité, SDP dit très clairement, faut gagner un plan de sécurité. Faut que nous connaissions qui l'œil est capable de passer Matissan. Nous dans le sud fait manifestation, nous dans tout pays a demandé libérer Matissan. Sous question sécurité, a pas gain droit gagner cachotterie. Nous besoin qu'on ait qui quantité budget yo bay la police pour la police fait travail. Nous reconnaître que la police fait des efforts extraordinaires et SDP voyait un coup de chapeau pour policiers nous yo cap travail dans des conditions difficiles pour bay population en motion sécurité. Mais n'a demandé est-ce que yo gain moyen nécessaire nan men yo pour ça. Et c'est ça que fait nous demander au gouvernement pour publier rapidement qui budget de fonctionnement la police gagne. Combien comme la police gagne pour le travail. Parce que la police pas capable d'accomplir mission si la police n'a pas de moyens financiers, moyens logistiques dans elle. Et l'autre bagaille qui est nécessaire, nous tous nous connaissons, la police pas capable efficace si pas gagne collaboration entre la population et la police. Mais pour la population collaborer avec la police, il faut que la population ait une certitude, il faut que la population connaisse que les policiers qui travaillent, c'est des policiers qui sont honnêtes, qui n'ont pas un rapport avec la gang. Et c'est ça que nous demandons pour qu'on vetting qui fait dans la police, pour tout le peuple la connaît, les policiers qui travaillent, c'est des policiers crédibles, des policiers honnêtes, des policiers qui sont capables de collaborer ensemble avec nous. Pour nous, question ça, sont questions qui sont fondamentales. Et je dis assez tout pour la sécurité. Tout par la sécurité. Le gouvernement a une responsabilité pour faire tout effort. Même si vous avez campé pendant un certain temps, vous n'avez pas payé ministre, vous n'avez pas payé directeur général, pour vous bailler la police l'argent, il faut que vous fassiez. Parce que le principal besoin de la population, c'est la sécurité. Il y a des gens qui ont cherché le pouvoir à droite à gauche. C'est droit, mais le peuple a besoin de sécurité et SDP a accompagné la police dans la bataille pour mettre sécurité dans le pays. Et SDP m'a dit tous les citoyens pour collaborer avec la police. Mais la collaboration, ça n'a pas fait si pas un vetting, si pas une enquête qui fait dans la police. Pour tout le monde connaît, policier ça, c'est bon policier, c'est policier qui n'a pas un rapport avec groupe armé, avec gang. Parce que nous connaissons PHTK et mettons bande gang en dans la police. L'autre élément qui est important pour nous, c'est question élection.
Nous tous nous sommes démocrates. Nous tous nous d'accord. Il faut une élection qui fait dans le pays. Mais il faut une condition qui réunit pour l'élection faite. Pour l'élection faite, sénateur Cassis Sotil, il faut un conseil électoral qui sorte en consultation avec différents secteurs dans le pays. Pour l'élection faite, il faut qu'on démantèle les gangs, il faut écraser les gangs. Parce que si on fait l'élection, qui est-ce qui a gagné? Chef gang, qui a gagné? Qui est-ce qui chef gang? Monde qui était sous pouvoir pendant 10 ans, qui mettait gang dans tout le pays, qui a kidnappé les gens. Ça veut dire, nous pouvons accepter de rentrer dans l'élection, et puis gang là, gang matériel là, gang PHTK là, et t'as pompillé, ou t'as pris nous? Non! Élection, oui, mais élection avec sécurité. Pour élection faite, il faut qu'on libère Matissan. Pour élection faite, eh bien, dit clair, nous ne pouvons pas faire élection avec 4 dermalogues, parce que moi-même, je ne parle pas là, je ne parle pas de électorale. Moi-même, je ne parle pas là, je ne parle pas de électorale. Nous, les SDP, nous ne pas faire 4 électorales dermalogues là. Élection n'est pas possible avec 4 électorales dermalogues là. Ça veut dire, élection 1, il faut que les conditions qui réunissent pour le fait. Pour élection faite, il faut qu'il y ait un changement dans le secteur financier, dans le secteur économique dans l'État. Alors, pensez SDP, pour aller mener le peuple à nos élections, et puis avec directeur de droit de jamais. Ou pensez SDP, pour aller mener le peuple à nos élections, avec BRH Matélia, jamais. Ou pensez SDP, pour aller mener le peuple à nos élections, pendant Matéli, conserver tout avantage li, dans le secteur financier, c'est n'améliorer, jamais. SDP signe un accord politique. Accord 11 septembre, parce que vous m'avez arrivé pour nous monter table négociation. Mais SDP, pas bypillay. SDP, pas trahi revendication peuple là. SDP, pas mené Mimi Baymakou. Ça, faut clair. Pour élection faite, il faut qu'il y ait un changement dans la collectivité territoriale. Yo. Bon ben magistrat dans le pays, c'est chef gang. Yo, c'est oui, Jovenel qui te met oui, yo. Oui, c'est Matéli qui te met yo. Alors, SDP pour aller mener le peuple dans l'élection avec le magistrat PHTK Matélio. Jamais! Ah, mais son jouet, son pillet, nous pas comme ça n'a fait. Nous pour aller mener Mimi Baymakou, c'est vrai. Vous pensez, élection possible avec même délégué départemental, même vice-délégué départemental et Matéli, PHTK, jamais! Élection, oui, mais pour des conditions. Et si conditions ça n'est pas réuni, SDP pas mener peuple à l'élection. Parce que la vérité, même l'entendez, matin, midi, soir, il n'y a pas attaqué SDP, mais peuple a suivi qui ça SDP a fait. C'est ça la vérité. SDP, dans un accord politique. Parce que le moment est arrivé pour nous rentrer dans un accord politique. Je dis à tout le monde dans la négociation. Je suis bien content. Montana a demandé Ariel négociation. Pen a demandé négociation. Tout le monde a parlé ensemble. Oui, on a parlé avec tout le monde. Même si nous n'avons pas parlé à deux avec PHTK. Mais attention, nous n'avons pas mené Mimi Baymakou. Il faut conditions réunies pour l'élection faite dans le pays. Ça, c'est le deuxième message de ce matin. Troisième message. Moment arrivé pour SDP parler avec le peuple régulièrement. Parce qu'on est fait 6 mois, il a pas menti sur nous, il a fait sous de nous. Moment arrivé pour nous recommencer à parler avec le peuple. Et c'est ça qui fait. Officiellement, jeudi 21 avril 2022, nous lançons dans le local SDP. Nous avons rendez-vous avec le peuple. Les jeudis du SDP. Chaque jeudi, après une conférence de presse ici à 10h tapant. Ce n'est pas toujours moi-même avec le sénateur Kassi, avec Marjorie, qui n'est pas là, qui était supposé là, qui a fait conférence de presse là. Il y a deux fois, c'est mon section communale qui a venu parler. Il y a deux fois, c'est mon département qui a venu parler. Il y a deux fois, c'est quartier populaire qui a venu parler. Il y a deux fois, c'est spécialiste dans la sécurité qui a venu parler. Il y a deux fois, c'est spécialiste dans l'agriculture, dans l'économie qui a venu parler. Il y a deux fois, c'est diaspora qui a venu parler. Mais désormais, chaque jeudi matin, 10h, après une conférence de presse ici dans le local SDP pour nous parler avec le peuple là. Parce que l'opération crucifier Jésus-Christ, libérer Barabbas là, il est pour le